vous deux, vous voulez un enfant? Le gouvernement thaïlandais vient de changer les conditions d'adoption. Ils ne veulent plus que des couples mariés. C'est là que t'interviens en faisant mon mari et en allant chercher la petite avec moi à Bangkok. J'aurais adoré, mais j'ai des acouphènes en avion. Toi, tu m'as bien dit que t'avais un frère. Excusez-moi, en retard, j'étais parti sur Orly, mais ça, c'est l'habitude du Club Med. Alors, voilà la bête. La belle. Ah, ça y est, je sais à qui vous faites penser. Ah, mon prof de gym au bahut, monsieur Chauvelot. Ah, oh, je l'adorais, ce prof. Ah, je suis pas sûr de tenir 48 heures. Je t'avais prévenu, hein. Tu l'as vu, le western avec les deux cow-boys qui se... Comment ça s'appelait déjà? Un super film. Le secret de Baden-Baden. Brokeback Mountain, hein, parce que Baden-Baden, c'est une ville en Allemagne. Ah oui, d'accord. Enfin, il y avait quand même un secret. On business or holiday? Ni l'un ni l'autre, non. Adoption. Adoption. And your wife? Ah là, là-bas. Machine. Chérie, viens voir. Bienvenue en Thaïlande. Il y a 6 mois, ils ont arrêté un couple soi-disant marié, venu adopter avec de faux papiers. Moi, je les aurais abattus sur place. Fréquence des rapports conjugaux par mois. Un bon moyen de débusquer des faux couples. Votre femme a répondu 4 fois, et vous 12 fois. Vous avez une explication? C'est César qui a raison. Ah, quand même, je me disais, elle a perdu la mémoire ou quoi? César parle du nombre des rapports et moi, je parle du nombre d'orgasmes. Vous ne connaissez pas votre bonheur d'être un couple? Non. Si.